Salut à tous et à toutes, c'est Mathurin240 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur GTA V. Et donc là je vais la sortir vendredi, donc aujourd'hui je la fais le jour même. C'est pour comment dire, en fait j'ai trouvé le secret de la montagne du mont Chiliad. Il y a une sorte de secret si vous voulez, avec il y a des ovnis, enfin il y a tout plein de trucs bizarres. Vous pouvez regarder sur YouTube et tout. Et moi, j'ai trouvé personne qui a trouvé le secret en entier. Et je pense l'avoir trouvé en entier, justement. Mais je suis pas sûr à 100% parce que il faut justement finir le jeu à 100% pour que je sache si c'est ça ou pas. Donc voilà, j'aimerais. J'ai besoin de votre aide. En quelque sorte, c'est pour. Vous demandez si s'il y en a qui saura comment le finir le jeu le plus rapidement possible. Parce que là j'ai fini les missions principales, j'ai fini toute l'histoire, j'ai presque fini toutes les petites missions secondaires. Et après je vais prendre les emplacements des morceaux de lettres, les emplacements de morceaux de fusée, je vais acheter toutes les propriétés bien sûr. Et après, j'aimerais bien savoir si on a comment, si on a qui sache comment faire pour avancer rapidement jusqu'à 100%. Là, je suis à 76, mais ça avance très lentement. Donc voilà, si jamais il y en a que, j'arrête pas de me répéter, mais bon, c'est vraiment important parce que j'aimerais bien le trouver en premier, le secret en entier. Donc voilà, si jamais vous avez des infos ou vous savez comment faire pour terminer le jeu rapidement, bah mettez-y en commentaire. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Et ma première vidéo défi arrive normalement la semaine prochaine. Elle a eu un peu de retard, c'est pas trop de ma faute. Mais bon, je vais vous laisser sur ça, sur ce petit gameplay de course. Avec ma NTD vraiment magnifique, avec Franklin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo informative vous a plu en quelque sorte, et surtout surtout le gameplay, hein, parce que je me suis dit, je savais pas trop quoi mettre en fond, donc je me suis dit, je vais mettre une petite course de rue et puis ça va passer tranquille. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin de gameplay et je vous dis à plus tard.